have the baby, and then we're going to pray for her. ¿Qué pasa? No te lo invita. Estás en bien, bien, bien. No es un problema eso. Bien, bien, bien. Nous savons, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, ta main est là pour nous écouter. Tu as délivré la maman et l'enfant et tu les as gardés en bonne santé. Ceci est un grand miracle, Père. Voilà pourquoi nous venons pour te dire ceci. Encore, Seigneur, la chose la plus importante, Seigneur, c'est d'abandonner cet enfant entre tes saintes et glorieuses, mes pères. Laisse que, ô Dieu de gloire, que la vie d'Isabelle, Seigneur, puisse te refléter, Seigneur. Que tout ce que le diable peut prévoir dans sa vie, dans l'avenir, Seigneur, puisse être sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Nous l'abandonnons entre tes saintes et glorieuses mains. Sois, Seigneur, son guide dans tout ce qu'elle fera sur terre durant son pèlerinage. Laisse que ton nom et ta main puissent l'accomplir. En tout, Seigneur, nous te disons merci. Laisse que la gloire et la louange nous soient rendues. Dans les noms précieux et puissants du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ici. Amen. Amen. Ah, tu peux vous. Hein? Il fallait aller avant hier. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Acclamons le Seigneur. Et à partir de là, notre sœur Isabelle est l'une entre nous. Amen. Amen. Très patient. Il y a le PowerPoint que j'ai mis là. Non, non. C'est déjà pour le moment. Là. Non. On peut le dire souvent. Excusez-moi. Nous allons lever pour la lecture. Nous allons lire dans le livre des Éphésiens, au chapitre 5. Nous allons prendre le verset 5, 31 et le verset 32. Éphésiens 5, 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair.
devenons une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Prions le Seigneur. Sois béni, ton Père Céleste. Toi, l'auteur de cette parole, ô Dieu, c'est toi qui en connais le contenu, Père. Nous venons, Seigneur, comme les étudiants, pour que tu puisses nous montrer ce que tu as caché entre les lignes, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour le prophète que tu as envoyé. Car sans lui, Seigneur, on ne verrait rien dans cette Bible. Car cette Bible a été écrite pour lui. Cela a été dit dans la Bible, écrit à l'ange de l'Église de la Odyssée. Et nous croyons que c'est lui qui a reçu le mandat de nous expliquer les Écritures. Voilà pourquoi nous te disons merci pour lui. Bénis, Seigneur, la lecture de ta parole. Bénis, ce moment précieux. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dans ce passage, in this scripture, tu as lu ça en anglais. In English, for this cause shall the man leave his father and his mother, and shall be joined unto his wife, and the two shall be one flesh. Amen. Dans ce passage, in this scripture, d'Éphésiens 5. Ephesians 5. Beaucoup de gens utilisent ça pour le mariage. Many people use it for marriage. Amen. Amen. Donc mon sujet c'est le mystère épouse. My subject is the mystery bride. Et le sous-titre c'est le cinquième mystère. And the subtitle is the fifth mystery. Et ce passage est utilisé pour le mariage. And this scripture is being used a lot for marriage. Mais il y a un détail qui est là. But there's a small detail there. La Bible dit, ce mystère est grand. The Bible says this is a great mystery. Paul dit, j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Paul said, but I speak concerning Christ and the church. Donc quand nous parlons du mariage, so when we speak of marriage, il ne s'agit pas de nos mariages dans nos maisons. It's not just about our marriage in our house. Le mariage à la maison, our marriage in our house, c'est juste un reflet du véritable mariage. It's only a reflect of a true marriage. Amen. Et Paul dit que c'est un grand mystère. And Paul said it's a great mystery. Et le frère Branham nous dit, and the Branham said, dans Monsieur, quel est-il? In Sir, what is the time? Il dit, he says, le cinquième mystère, the fifth mystery, c'est celui de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Is of the church as the bride of Christ. Il dit Ephésiens 28 à 32. It says Ephesians 28:28-32. Donc, dans cette prédication, le frère Branham était en train d'énumérer les mystères. In this preaching, Brother Branham was mentioning mysteries. Et cette prédication a été basée dans Apocalypse chapitre 10. And this cette prédication, monsieur, this sermon was based on Revelation chapter 10. Et le frère Branham a énuméré les mystères. And Brother Branham named mysteries. Et là, il a dit qu'un mystère, c'est quelque chose qui était caché, qui était préalablement caché. And that's why he said a mystery is something that was hidden. Et maintenant, c'est révélé. And now it's revealed. Mais il reste toujours un élément surnaturel qui est attaché. But still, there's a supernatural element attached to it. Et il a dit le premier mystère. And he said the first mystery. C'était le mystère du royaume. It was the mystery of the kingdom. Qui est dans Matthieu 13. Which is in Matthew 13. Le deuxième mystère, the second mystery, c'était le mystère de l'aveuglement d'Israël. It was the mystery of the blindness of Israel. Dans Romains 11. In Romans. Et le troisième mystère, and the third mystery, il dit que c'était le mystère de la translation. He said it was the mystery of translation. Donc l'église de la Odyssée qui devait être translatée au dernier âge. The church of la Odyssée that was supposed to be translated in the last age. Et le quatrième mystère, and the fourth mystery, il dit que c'était l'église des Juifs et des Gentils formant un seul corps. He said it was the mystery of the church, Jews and Gentiles forming one body. Et le cinquième mystère, and the fifth mystery, c'est celui de l'église en tant qu'épouse de Christ. As of the bride as the bride of Christ. Amen. Et la Bible nous dit, qu'à la voix du septième ange, at the voice of the seventh angel, le mystère de Dieu sera révélé. The mystery of God shall be revealed. Donc, après la venue de Frère Branham, after the coming of Frère Branham, le mystère nous a été révélé. The mystery was revealed to us. Mais avant d'aller étudier l'épouse, before going to study the bride, nous allons d'abord étudier l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. We're going to study the man that was created in the image of God. Parce que
Le livre de Genèse. Because the book of Genesis. C'est, le pharaon dit que c'est le chapitre sémence. Proverbs say is the chapter gin, of the gin, gin chapter. Chapter. C'est le livre sémence. It's the gin book. Parce que tout a commencé dans le livre de Genèse. Because everything started in the book of Genesis. Le péché a commencé dans le livre de Genèse. Sin started in Genesis. Le mariage a commencé dans le livre de Genèse. Marriage started in Genesis. La divinité a commencé dans le livre de Genèse. Deity started in Genesis. Et le frère Manon nous dit qu'il y a deux livres que le diable ne peut pas toucher. There are two books that the devil cannot touch. C'est le livre de Genèse. It's the book of Genesis. Et le livre d'Apocalypse. And the book of Revelation. Et si nous manquons Genèse, and if we miss Genesis, nous allons manquer toute la Bible. We're gonna miss the whole Bible. Et manquer même le livre d'Apocalypse. And miss the book of Revelation. Amen. À la voix du septième ange, le mystère de Dieu sera révélé. Et le frère Manon me dit, à l'ouverture du septième sceau, nous connaîtrons qui est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, et quelle est sa nature. Amen. Alors, dans le livre de Genèse, au chapitre 5, in chapter 5, dans la version de King James, in the version of King James version, la Bible dit, the Bible says, voici le livre de la postérité d'Adam. Behold the book of the Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, when God created the man, il le fit à la ressemblance de Dieu. He made it of the resemblance of God. Genèse chapitre 5. Genesis chapter 5. This is the book of the generation of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him. Amen. Il créa l'homme et la femme. Man and female created he them. Il les bénit. And blessed them. Et il les appela du nom d'Adam. And called their name Adam. Amen. Lorsqu'ils furent créés. When they were created. Nous voyons que Dieu a créé un homme. We see that God created a man, one man. Amen. Il y a une différence entre créer, there's difference between creating et former. And form. Nous parlons de l'homme créé. We're talking about the creation.